Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur la chaîne Blablart et aujourd'hui nous vous proposons avec Claire une vidéo de qualité. Nous allons faire un qui de nous deux. Je pense que vous connaissez le concept, vous nous avez posé des questions sur Instagram, d'ailleurs notre compte Instagram s'affiche juste là. Et on a trouvé des questions, nous avons trouvé des questions qui pouvaient être intéressantes, enfin des questions genre qui, nanana. Ouais, vous avez compris. Des questions, quoi. Et on va y répondre dans cette vidéo en disant... en gros, on va faire un truc en mode... Qui de vous deux est le plus actif sur les réseaux sociaux? Soit on va dire Claire, soit Mia, tu vois. Bon, je pense que vous connaissez le concept, de toute façon. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà. Qui de nous deux est la plus têtue? En réalité, je pense que c'est plutôt Mia qui est plus têtue. Je vous laisse son explication. En réalité, c'est un peu compliqué de répondre vu que on n'est pas dans la même. Enfin, on se voit pas souvent. Donc, c'est un peu compliqué. Mais sinon, têtue. Bah, dans la vraie vie, je sais pas. Moi, je sais que je suis très têtue. Dans la vraie vie, hein. On va pas se mentir. Et sinon, dans pas la vraie vie, sur les réseaux sociaux. Bah je dirais que c'est moi parce que en vrai quand je parle avec Claire par exemple pour des idées de vidéos et que elle a son idée par exemple et que du coup moi je remodifie l'idée, je reste sur mon idée en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer mais ou par exemple si j'ai une idée que elle veut remodifier, bah moi je suis plus convaincue par mon idée, enfin je sais pas trop comment expliquer mais sinon je pense que c'est un peu plus moi. Qui a le plus d'idées pour Blablart? Alors, qui a le plus d'idées pour Blablart? Je dirais que c'est moi, Claire, car c'est souvent moi qui vais... Déjà, c'est moi qui ai trouvé l'idée de Blablart, qui en ai parlé à Mia, et ensuite, c'est souvent moi qui ai les idées, genre souvent je note plein d'idées de vidéos sur mon téléphone ou dans un carnet, et après je viens voir, et après je viens en parler à Mia via les messages, et on se dit, je propose une idée, elle me dit oui ou non, et souvent elle valide l'idée, donc souvent moi qui ai les idées pour Blablart, Mia. Évidemment, quand elle en a, bah, je les écoute. Parce que moi, je galère à trouver des vidéos pour ma chaîne. Donc, pour Blablart, ouais, c'est plus clair. Mais quand même, j'y mets du mien. Et je rajoute mes petites idées qui vont avec. Voilà. Qui gère le plus YouTube? Qui gère le plus YouTube? Bah, c'est moi. On a toutes les deux accès à la chaîne YouTube. Mais c'est moi qui poste les vidéos, elle m'envoie le montage, moi je l'importe, je mets la mini-a, je mets la description et tout, je mets, voilà, et je poste. Mais ouais, c'est moi qui gère YouTube. Qui est la plus grande en âge? Bah c'est clair, hein. Moi j'ai 14 ans, donc voilà, je suis plus petite qu'elle. La plus grande en âge, c'est moi, Claire, car j'ai 18 ans. Et mon anniv c'est le 14 juillet. Et Mia, elle est la plus jeune, elle a 14 ans et son anniv c'est en octobre. Qui de nous deux est la plus souvent en retard? Bah ça rejoint un peu l'organisation, donc c'est moi qui est la plus souvent en retard. Enfin, en vrai, en retard dans la vraie vie, on peut pas vraiment savoir. En vrai, en retard dans la vraie vie, moi vu que je manque d'organisation dans la vraie vie, je suis en retard mais j'arrive à rattraper ce retard au final. Donc ça, mais sinon au niveau réseaux sociaux par exemple, je vais dire je poste la vidéo à 14h et ben au final je vais oublier, je vais la poster à 14h10. Pour envoyer les rushs à Claire par exemple, je dis bon je ferai ça là et tout et au final bah j'oublie donc je suis tout en retard. Donc bah c'est clairement moi, hein, on va pas se mentir. Voilà. En vrai, qui est le plus en retard, je dirais que c'est moi car souvent quand il y a un rendez-vous, je suis pas mal en retard. Ou sinon je suis la dernière à être prête. Donc... En vrai, je dirais que c'est moi qui ai la plus en retard. Claire. Qui gère le plus les réseaux sociaux? Alors, qui gère le plus les réseaux sociaux? Bah, c'est Claire. Parce que, encore une fois, parce qu'en fait, moi, je gère... Enfin, elle aussi, elle a laissé ingérer. Mais je gère aussi mes réseaux sociaux. Et vu que je suis super mal organisée, bah, c'est un peu galère. Donc, c'est Claire qui gère plus les réseaux sociaux. Après, bien sûr,
je vais voir et tout, mais c'est pas moi qui les gère parce que je suis pas très douée. Et puis en plus, vu que c'est elle qui fait les montages, par exemple, ce serait un peu chiant de transporter. Enfin, déjà, on fait ça avec les vidéos, ça marche, mais de transporter le petit montage qu'elle fait sur mon téléphone pour que moi je le poste et tout. Déjà, de une, ce serait galère, et de deux, bah, je suis pas assez organisée pour ça. Prochaine question. Qui fait le mieux du montage? Alors, les montages sur Blablart et même sur ma chaîne, sauf quelques-uns sur ma chaîne. Bon, les montages sur Blablart, c'est clair qu'il les fait parce que moi, justement, c'est pas moi qui les fais parce que le montage, je suis pas très bonne en fait. Sur téléphone, en plus, mon téléphone il bug et tout, donc c'est compliqué. Et puis, je suis moins expérimentée, on va dire. Claire fait plus de montage, donc voilà. Du coup, c'est elle qui les fait et c'est elle qui est la meilleure en montage. Montage vidéo, je parle. Sinon, montage photo pour les miniatures, je me débrouille. Je pense que moi, j'ai plus. Je suis pas meilleure dans montage photo, mais vu que c'est moi qui fais les minias et tout, je suis un peu plus expérimentée. Enfin, ouais, voilà, je suis plus habituée à les faire. Donc, ouais. Prochaine question. Qui de nous deux est la plus mal organisée? Alors, la question est vite répondue, hein. Franchement, je pense que c'est moi qui est la plus mal organisée parce que j'essaye, hein, j'essaye de faire des efforts. Je m'améliore, franchement. Depuis que j'ai acheté des post-it, ça a révolutionné ma vie. Non, en vrai, peut-être pas quand même. Bon, c'est vrai que Claire est beaucoup plus organisée. Genre, moi, je fais un peu tout au feeling et quand j'essaie de m'organiser, je tiens jamais ce que j'organise. Donc voilà, c'est clairement pas moi. Du coup, heureusement que Claire est là parce que pour Blablart, je m'en sortirais pas. Hein. Mal organisée, je dirais que c'est Mia. Parce que quand on fait des vidéos pour Blablart, c'est tout le temps moi qui vais lui rappeler les choses, qui vais lui dire « Oh, il y a un message envoyé, oh, il y a un mail envoyé, oh, il y a cette vidéo à tourner, il y a ces rushs-là à faire, oh, il y a ceci, cela à faire, tu vois. » Au niveau des réseaux sociaux de Blablart, c'est plutôt elle qui m'a organisée. C'est clair qu'elle est plus organisée, clairement. Prochaine question. Et la dernière question. Qui de nous deux est la plus souvent connectée sur les réseaux sociaux? Eh bien, je pense qu'on est autant connectés. Enfin, je sais pas. En vrai, moi, je suis beaucoup sur mon téléphone. Et Claire aussi, je crois. Donc, je sais pas trop. Je pense qu'on est autant connectés sur les réseaux sociaux. Après, elle les gère plus, donc peut-être que ça met du temps de poster et tout. Donc, ouais, en vrai, je sais pas, moi, je suis plus... je regarde... En vrai, je suis longtemps connectée quand je fais des stories, quand je réponds à des messages ou je fais des posts. Mais je suis pas trop là à regarder les posts des gens et tout. À part si on me les envoie en message. Par exemple, en général, les gens partagent leurs posts, enfin, m'envoient leurs posts. Là, je vais voir leur compte et tout. Mais sinon, je suis pas trop à descendre le fil d'actualité et tout. Je regarde un peu les stories des gens que je suis activement, les gens que j'aime bien et tout. Mais sinon, je suis pas très très active. Je suis pas actif. Je sais pas comment expliquer, mais bref, je pense qu'en vrai, si on est toutes les deux autant actives sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin des questions. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce qui de nous deux vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur moi, Claire et Mia, les gérants de cette unité Blabla. Si vous voulez suivre nos réseaux sociaux personnels, les liens, ceux de Claire, les escapades de Claire, tous les liens sont en barre d'infos. Si vous voulez suivre les réseaux sociaux de Mia, Mia05, tous les liens sont en barre d'infos. Et si vous voulez suivre toute l'aventure de cette émission Blabla, tous les liens de Blabla sont en barre d'infos. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.